Si bien rappelé déjà le prévu, le PMPER est le second projet financé par le FIDA depuis la reprise de l'opération. Et à ce titre, je voudrais renouveler les remerciements au préfet pour l'accueil de ce jour dans sa préfecture. Cet atelier fait suite au grand atelier qui a eu la semaine dernière avec une forte délégation du FIDA. Nous avons eu le signeur demandé par nous, le directeur Afrique de l'Ouest et Central du FIDA, pour nous appuyer afin de mieux nous imprégner des nouveaux contours opérationnels et techniques liés au GPMPER. Le PMPER, bien que ce ne soit pas un projet nouveau, a connu depuis son lancement en 2015 des ralentissements, dus essentiellement aux difficultés d'appropriation du schéma opérationnel et de compréhension par tous les acteurs et les intervenants. Au vu des difficultés observées, il a paru nécessaire au gouvernement et également au FIDA de mieux outiller l'équipe et de placer le projet sous une tutelle qui est mieux outillée pour encadrer notamment le secrétariat d'État chargé de la maison financière et du secteur informel. Il faut rappeler que lors de la mise en place de ce projet, le secrétariat d'État n'existant pas et certains outils et mécanismes étant absents du contexte du pays, il a été jugé opportun de mieux cibler le projet et de procéder à son recadrage. Et à ce titre, aujourd'hui, avec tous les changements intervenus, il nous a paru nécessaire d'aller à la rencontre aussi bien des acteurs techniques, des acteurs opérationnels, mais également des bénéficiaires qui pourraient avoir accès au projet. Et c'est dans cette dynamique que durant les 5 semaines à venir, l'équipe de projet, donc la nouvelle équipe, qui n'est pas si nouvelle que ça, parce que nous avons aussi bien des collaborateurs initiaux du projet, et également des nouveaux collaborateurs, donc il est nécessaire qu'ils aillent à la rencontre de tous les acteurs pour mieux expliquer le mécanisme opérationnel et technique. Et pour ce faire, des étapes auront lieu dans tous les chefs-lieux de région, à compter d'aujourd'hui jusque dans les 5 semaines à venir, donc qui nous emmène jusqu'à fin septembre. C'est le lieu pour nous d'adresser tous nos remerciements au chef de l'État pour son implication dans le développement entrepreneurial des jeunes et également au FIDA qui nous accompagne dans le développement du secteur agricole. Il n'est pas sans rappeler que des synergies ont été mises en place entre le PMPER, le Fonds national de la finance inclusive, qui est l'instrument mis en place depuis 2014 par le chef de l'État pour accompagner le financement des couches vulnérables. Nous avons également une participation dans le dispositif de la délégation à l'organisation du secteur informel, qui se chargera d'accompagner les jeunes et les femmes vulnérables dans la mise en place de leur structure entrepreneuriale. Nous comptons également sur les structures spécialisées du ministère de l'Agriculture, qui sont les ICAT et les ITRA, qui accompagneront de manière technique les agriculteurs et également les entrepreneurs ruraux qui souhaiteraient bénéficier de l'accompagnement du projet. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier dans notre pays depuis le 25 juin 2018 du mécanisme incitatif au financement du secteur agricole qui jouera également un rôle prépondérant dans la mise en place des objectifs du PMPER. Permettez-moi de vous faire un peu le point sur tous les mécanismes existants. C'est pour mieux rappeler et faire connaître tous les efforts qui ont été consentis par le chef de l'État et le gouvernement togolais pour pouvoir permettre à tous les Togolais et toutes les Togolaises issus du secteur agricole et rural de pouvoir également profiter des mécanismes leur permettant
d'aller vers le développement que nous prenons pour tous les Togolais, tous les fils de cette nation.